Eh bien salut à tous, c'est Mister Sponge et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode de Solus Project. Rappelez-vous, dans le dernier épisode donc on s'est aventuré dans la grotte et on doit trouver un endroit pour faire du feu. Oh, bah, j'ai sauvegardé ma progression, nickel. Un endroit pour faire du feu histoire de me sécher. Alors est-ce que ça me sèche? Question. Ça me sèche. Tout doucement, mais... Ah ouais, mais plus que doucement, là. Oui, je vois que je suis mouillé, là. J'aimerais bien, en fait... je pense que j'ai loupé de quoi faire un feu, là-bas. Parce que ça, c'est pas un vrai feu, aussi, ça marche? Ouais, si, j'ai l'impression que... Enfin, théoriquement, ça devrait marcher, mais... je suis pas complètement sec, quoi. Je vais manger un petit coup. Et boire un petit coup. Voilà. Est-ce que là je peux... Ah nickel. Du coup je suis moins mouillé là. Est-ce que je peux pas dormir? Alors dormir c'était quelle touche nouveau? C'était B il me semble. Oh d'accord, on va peut-être pas dormir tout de suite parce que ça me permet de gagner de la vie, mais par contre... Ah bah si, je suis carrément en fait. Il fait trop chaud pour dormir, sérieusement. Moi je vais dormir ici. Hein. J'ai pas le droit de dormir, c'est fou ça. Au niveau des calories, je vais un peu manger. Bon, vous devez pas voir grand chose, hein, je m'en excuse. Wow, 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 wow. Oula, elle me dit pas que ça va s'effondrer là, ça serait... vraiment la misère quoi si ça s'effondrait. Bon, j'ai l'impression que là ça va un peu mieux, donc on va continuer notre route. On est déjà un peu moins mouillé. On va continuer notre route et on va sortir puisque l'air de rien, j'en ai un peu marre de squatter ici. Je suis claustrophobe, messieurs dames. Donc on va se resave un petit coup. Hop. Comment est-ce qu'on passe? On doit faire le tour. Qu'est-ce que c'est? Et c'est super, super sympa ces mécanismes un peu antiques, néo-technologiques, un peu les deux quoi. Ça a ouvert quelque chose en arrière, je pense. Allez. Pour l'instant, j'ai vraiment pas l'impression que c'est un jeu en accès anticipé. Hein. Pour vous dire complètement vrai, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu en accès anticipé tellement il est... en fait, j'ai pas vu de bug pour l'instant, à part une fois, donc le retour window qui a bugué. Mais je veux dire, en termes d'ambiance, en termes de... Alors, j'ai pas encore été très loin dans le jeu, donc ça peut encore intervenir. Hein, je m'avance pas trop. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Putain, il va falloir à nouveau que je me mouille. Ah, j'ai pas aimé me mouiller, moi. Oh là là. Ah, je vais pas aimer, là, je me mouille. Je vais à nouveau devoir me... En plus, comme un con, j'ai sauté dans l'eau, donc forcément, je suis éclaboussé. C'est quoi ces vieux mécanismes, là? Ça m'a l'air... On allume ça pour un peu de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Mécanisme. Requiert de l'eau. Bah écoute, mon pote, on va t'en amener de l'eau. On va t'en ramener de l'eau. Voilà. Putain, c'est génial. Sans déconner, c'est complètement ouf comme, comme principe. Enfin, j'adore quoi, je suis complètement conquis par le principe. Qu'est-ce que... Saloperie, saloperie, saloperie.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'ai eu un bon, je vous garantis, dans la vraie vie et en jeu, j'ai eu un bon de frayeur. Ok, ça, il faut que je fasse vachement gaffe. Oh, putain. Ça y va, hein. Alors, du coup... Ça, j'aimerais bien savoir pourquoi ça brille comme ça, hein. Alors, attendez. J'essaye de grimper. Peut-être que je peux interagir avec. Non, je peux pas, hein. Ok, bon. L'objectif est là-bas. D'accord, on va continuer vers l'objectif, l'air de rien. Ok. Donc je rappelle un jeu d'exploration. Un jeu d'exploration avec des mécanismes de survie. Et je sais que je suis mouillé, ouais. Ça me fait chier. Hop là. Putain, il faut faire gaffe avec ces trucs là. Y'a pas moyen de les neutraliser ou je sais pas. Faut que je... Alors attends, traverser la piscine d'eau et continuer d'investiguer. Oh, vous êtes sérieux? Oh là là. Ouais, c'est un peu profond quand même, non? Ah, c'est juste un peu trop profond, comment? Attendez, sérieusement, mais comment je descends? Est-ce que ça le fait automatiquement? Et j'ai peur de me latter là. Hein. Et je suis sûr que je vais me latter la figure. Hein. Comment est-ce qu'on interagit avec? Je veux juste descendre. Je vais me latter. Ah non, c'est bon. C'est bon. Allez. Non! Non! Les amis, j'ai fait une bêtise. Les amis, j'ai fait une énorme bêtise. Est-ce que j'ai pas un autre tuyau? Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Oh là là, je vois plus rien. Alors vous devez plus voir rien du tout non plus. Je suis en train de descendre, mais je vois plus rien là. J'espère que la torche en bas, elle est intacte. Je crois la voir, je crois la voir. Waouh, ça m'a l'air complètement dark. Allez, là, la torche. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une croix. Si je me place au-dessus, il y a un trésor? Non? Oui, il y a mes traces de pas aussi. Milestone, passage des voyageurs. Waouh, mais l'ambiance est juste... complètement dingue. L'ambiance est juste complètement ouf. Est-ce que... alors là, c'est le moment... Hop. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Je peux pas, il va falloir que je me balade pour trouver comment ouvrir ces mécanismes. Ah, un point de sauvegarde. Ouais, mais pourquoi il y a des pièges à loups partout, là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mécanisme, non? Attendez. Est-ce que ça aurait ouvert quelque chose? Je pense, hein. Par contre, ces pièges à loups qu'il y a partout, là, ils sont chauds, hein. Ça fait les mêmes bruits, je sais pas si vous connaissez un peu, mais ça fait les mêmes bruits qu'une baleine. C'est des sonars. Box. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Absolument rien, nickel. Je vais aller un peu vers la gauche, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Ah, bah tiens, j'ai bien fait. Et en fait, non, il y a rien non plus là-dedans. Si je vais par là, est-ce que ça me mène toujours... ouais, ça me mène quand même à mon objectif. Il y a de l'eau. Et ça m'a l'air un petit endroit peinard pour se poser là, non?
qu'est-ce que c'est que ça? Ah, de la bouffe illimitée, quoi. Bah, je vais bouffer et je vais boire comme un sac, hein. Voilà, calories et bouffe, ok. Et ça, c'est radioactif, ça, parce que... Enfin, c'est pas radioactif, mais ça provoque des interférences avec ma machine. Et ça, ça serait tellement un endroit pour se poser, en fait, hein. On va aller sauvegarder. C'était quoi, ça? Et il y a quelqu'un qui a crié, hein. Alors, attends. Ça traduit... Ouah, c'est des vieilles tablettes en clair qui racontent l'histoire du peuple qui était ici. Un jour, le paradis s'est réchauffé, la vie est devenue empoisonnée. Ok, il y a l'arrivée de monstres ou de divinités ou je ne sais pas quoi, les... Ceux du ciel. Alors par contre, je vais tout ouvrir, histoire de voir un peu ce qu'il y a dedans. Ok, merci, elle me rappelle en clair que ma priorité numéro 1, c'est de faire un satellite. Enfin, pas un satellite, un moyen de communication extérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un symbole, hein? C'est bizarre, hein? C'est Avatar, le dernier maître de l'air? Alors par contre, là, du coup, et ça, c'est le même. Donc là, je suppose qu'il faut que je laisse un caillou ou un truc comme ça dessus. Hop, non. Je vais pas laisser celui-là. Y'a pas un caillou qui traîne, là? J'en ai vu un avant, je crois. Ouais, là, y'en a. Non, ça, c'est des pots. Là, y'en a. Que je peux pas, genre, je peux pas le déplacer comme ça, Mano. Hein. Alors, je suis désolé, vous voyez absolument rien, et moi non plus, hein, mais vraiment véritablement rien. Hop. Voilà, on y voit à nouveau quelque chose. Allez, on rush. Passage, c'est superbe. Il se passe quoi là? What? Il y a eu un sacrifice. J'ai une épée, les mecs. Waouh, c'est trop. C'est. Waouh, c'est trop ouf ce jeu. Il est trop ouf. Ah, oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des hiéroglyphes, enfin c'est les dessins des anciennes civilisations. Qu'est-ce que c'est que ça? Mécanisme. Qu'est-ce que je peux faire avec l'épée? Je vais récupérer mon épée là par contre. Ah, y a pas, je veux récupérer mon épée là, s'il vous plaît. Je vais récupérer mon épée. Ah, mais vous êtes pas sérieux, je peux pas récupérer mon épée. Oh zut. Ça va pas me plaire. Bah écoutez, on va se lancer dans cette aventure sur la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ce jeu me fout la hype de malade, hein. Je vais me le rusher. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je me répète pas mal. Salut tout le monde, c'était Mister Sponge.